Sauf que c'est pas toi. Bonjour, c'est Boss. Salut, bonjour Jean-Pierre. Sauf que c'est pas toi. Bonjour Coé, bonjour l'équipe. Oui, bonjour Jean-Pierre. C'est sûr, sauf que je disais c'est pas toi. Énergie, oh, Music Only avec l'accent Picard. C'est pas toi, c'est Gilles Boulot. C'est nul. Eh ben c'est comme ça. Mais que s'est-il passé? Eh oui. Mais que s'est-il passé? Ma femme ne m'a pas gueulé dessus depuis plus de 3 jours, c'est bizarre. Mais que s'est-il passé? La question que je me pose tous les dimanches matin. Mais que s'est-il passé? Vas-y, Mico. Jeff n'a mangé que 6 fois aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Dylan. Macron aperçu torse nu sur le prochain clip de Justin Bieber à l'Elysée. Mais que s'est-il passé? C'est vrai, ça va être sympa. J'ai vu la femme de Piette courir après 2 filles. Mais que s'est-il passé? Un problème, mais on peut pas tout dire. Deuxième lié. C'était quoi la vraie info? Un ULM se posait en catastrophe sur la pelouse. Le pilote, un activiste de Greenpeace, a failli s'écraser sur une tribune. Mais que s'est-il passé? Bien sûr, évidemment. Deuxième. Mission impossible. Que les Français arrêtent de gueuler sans jamais agir. Mission impossible. Oui, c'est vrai. Regardez les élections de dimanche. C'est exactement ça. Ouais, on veut tout changer. L'insécurité, c'est plus possible. Pas. Vous allez voir la voix des Français dans les urnes. Vous allez voir. Bah, vous y allez pas? Non, il fait beau. On a autre chose à faire. Donc, la sécurité, elle attendra. C'est pas notre faute. J'ai essayé de fermer la C sans bloquer ma respiration. Mission impossible. C'est dur. La journée mondiale sans péter. Mission impossible. Ah bon? Ah bah une journée, non. Exclu total, Tom Cruise tourne pour la 16e fois dans... Mission impossible. Ça devient ridicule. Ah, ça devient relou, là. La dernière fois, je me suis endormi. Ils sont chiants maintenant. Je suis endormi. La balade dans Paris où le gars, il y a un moment, il sera plus crédible à 75 ans. Non. Ça sera vraiment mission très impossible. Déjà, c'est ça. Ce sera ne pas faire pipi plus de 2 fois par heure. Mission impossible. Dylan. Avec mon mètre 65, jouer la doublure de Tom Cruise, c'est... Mission impossible. Pourtant, t'es pas loin, hein. Oui, pas grand. Ouais, il est 71, je crois. Rentrer bourré sans faire du bruit. Mission impossible. Je suis pas sûr qu'il fasse 1m71, Tom Cruise. Non, il est petit, hein. Il est petit, il est 73, 73, un truc comme ça. 73? Je vérifie. Oui, si, je crois qu'il est tout, il est vraiment petit. Mais je pense qu'il est plus petit que 73. C'est 63, les gars, je crois. C'est plus 63, je crois. Il est pas, 70. Oui, mais avec Nicole Kidman, elle était grande, c'était pas si flagrant. Ouais, ça, mais c'est mais t'as l'honnête. Bon, allez, le dernier. Sont-elles fiables? Chef. Je voudrais essayer les capotes en papier craft, mais... Sont-elles fiables? Les plaquettes de frein de la Mercos de Lady Di. Sont-elles fiables? Mais ça va pas, non mais... Mais je te jure. Les infos météo de l'Api de Coco à 2,50€. Sont-elles fiables? Jamais. Jamais, on est d'accord. Jamais, hein. Mais il me change le temps quand je suis sous l'eau. C'est quand je suis sous la pluie qu'il fait autant pour moi. Il envoie l'emoji comme de doigt. Dylan. Je viens d'acheter des capotes sur Wish. Sont-elles fiables? Non. C'est drôle. Ça, non. Tous ces trucs-là, faut checker quand même. Ouais, un minimum. Oui. On est d'accord. Les notes du bac 2021. Sont-elles fiables? Non. Oui. Si, elles sont fiables, elles sont, voilà. C'est facile. Ah, ça va être... même divisé par deux, quoi. Ça va être bien pour tout le monde. C'est Coé, 15h-20h sur Énergie.